Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, je vous propose le corrigé de l'exercice 1 partie A du bac S Métropole 2017. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pendant l'énoncé pour faire l'exercice seul. Exercice 1 partie A. On considère la fonction h définie sur l'intervalle 0 plus infini par h de x est égal à x fois exponentielle moins x. Question 1. Déterminer la limite de la fonction h en plus infini. Question 2. Étudier les variations de la fonction h sur l'intervalle 0 plus l'infini et dresser son tableau de variation. Question 3. L'objectif de cette question est de déterminer une primitive de la fonction h. Question 3a. Vérifiez que pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a h de x est égal à exponentielle moins x moins h' de x, où h' désigne la fonction dérivée de h. Question 3b. Déterminez une primitive sur l'intervalle 0 plus l'infini de la fonction qui a x associe exponentielle moins x. Question 3c. Déduire des deux questions précédentes une primitive de la fonction h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, h de x est égal à x exponentielle moins x. Déterminer la limite de la fonction h en plus infini. Alors, h de x s'écrit donc exponentielle e moins x. Et e de moins x, eh bien c'est x fois 1 sur exponentielle de x. Donc, x sur exponentielle de x. Alors, on aimerait bien utiliser les croissances comparées. Mais si on a x sur exponentielle de x, bon, on remarque que c'est l'inverse de exponentielle x sur x. Ainsi, la limite, quand x tend vers plus infini, de 1 sur exponentielle x sur x, sachant que exponentielle x sur x tend vers exponentielle x sur x est égal à, donc la limite quand x tend vers plus infini est égal à plus infini par croissance comparée. Et donc, la limite quand x tend vers plus infini de 1 sur exponentielle x sur x est égal à 0. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus infini de x exponentielle moins x. Question 2, on va déterminer les variations de la fonction h. Donc, h de x, on rappelle que c'est x exponentielle moins x. C'est un produit de deux fonctions. U de x est égal à x. V de x est égal à exponentielle moins x. Donc, la dérivée, ça va être u' de x est égal à 1. Et v' de x est égal à moins exponentielle moins x. Donc, ici, h' de x, eh bien, ça va être égal à u' fois v, donc exponentielle moins x, plus, alors ici il y a un moins, donc moins exponentielle moins x, fois x. Donc exponentielle moins x, moins x exponentielle moins x. Encore, si on factorise par exponentielle moins x, 1 moins x exponentielle moins x. Alors on va déterminer le signe de h'. On sait que exponentielle moins x est toujours positif sur 0 plus infini. Donc h' de x est du signe de 1 moins x. Alors ici 1 moins x, donc 1 moins x positif, bien 1 supérieur à x, donc x inférieur à 1. Donc 1 moins x est positif quand x inférieur à 1, bien entendu. 1 moins x est négatif quand x est supérieur ou égal à 1. On va pouvoir faire le tableau de variation. Donc ici x, h' de x et h. 0, 1, plus infini. La dérivée s'annule. Ici elle va être positive, ici elle va être négative. Donc là, elle va être croissante, et là, elle va être décroissante.
Alors on peut calculer rapidement les valeurs en H de 0. H de 0, eh bien c'est 0 fois exponentielle moins 0. Exponentielle moins 0, ça fait 1, donc ça vaut 0. 0 fois 1, 0. H de 1, eh c'est 1 exponentielle moins 1. Donc exponentielle moins 1, ça à peu près égal à 0,37. Donc on va pouvoir placer les valeurs 0, 0,37, d'après la question 1, ici c'est 0. Donc voilà le tableau de variation de la fonction h. Alors, question 3a, on vérifie que h de x est égal à exponentielle moins x moins h' de x. Donc exponentielle moins x moins h' de x, sachant que h' de x c'était h' de x, c'était 1 moins x exponentielle moins x. Donc ici, on peut factoriser par exponentielle moins x, exponentielle moins x. Donc ici devant il y a 1, donc 1 moins 1, moins par moins plus, donc plus x, 1 moins 1, 0, donc il reste x exponentielle moins x, ce qui est bien égal à h de x. Alors question 3b, eh bien une primitive de exponentielle moins x, eh bien c'est moins exponentielle moins x. Alors pourquoi c'est moins exponentielle moins x, on peut dériver moins exponentielle moins x. Moins exponentielle moins x, la dérivée de moins x, ça va être moins 1, donc moins exponentielle moins x. Et donc, moins par moins plus, exponentielle moins x. Donc une primitive sur l'intervalle 0 plus infini de exponentielle moins x, et là c'est moins exponentielle moins x. Donc c'est ici moins exponentielle moins x. Donc ici, h de x, on avait dit que c'était exponentielle moins x, moins h' de x. Donc la primitive de h de x, eh bien c'est la primitive de exponentielle moins x moins h' de x. On utilise la linéarité primitive. Donc la primitive de exponentielle moins x moins la primitive de h' de x. La primitive d'une dérivée, eh bien c'est la fonction elle-même, donc c'est h de x. Moins la primitive de exponentielle moins x, question précédente, moins exponentielle moins x. Donc ici, moins x exponentielle moins x, moins exponentielle moins x, on factorise par exponentielle moins x. Donc ça va faire moins exponentielle moins x, 1 plus x. Donc moins 1 plus x exponentielle moins x. Voici donc la primitive de h. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.